Bonjour, c'est Tristan de Tomstar Motorcycles. Aujourd'hui, nous avons notre nouvelle gamme de vélos V5 qui va sortir. Et je suis juste ici pour vous en parler un peu. Pour cette année, nous avons quelques mises à niveau. Nous avons une tringlerie, nous avons notre boîte à air, nous avons un nouveau design de moyeu avec 20 mm à l'arrière, de l'essieu, nous avons un faisceau de câblage étanche et un système de pièces entièrement nouveau. Mise à niveau de la suspension, mise à niveau de cadre et bien plus encore. Nous allons parler de tout cela aujourd'hui. Allons-y Pour notre gamme de vélos version 5, nous avons examiné un vélo de course pleine grandeur. Nous l'avons réduit. Nos vélos sont maintenant livrés avec ce que nous appelons la tringlerie VS1. Ces liaisons aident à améliorer la maniabilité du vélo d'un cycliste et l'ensemble de son confort. Ils viennent avec une aiguille H2020 ou le rouleau que l'on trouve également sur la balançoire à bras pour faciliter la compatibilité des pièces. La tringlerie et le bras aussi en. est l'une des seules marques à faire de la pleine échelle. La tringlerie sur des vélos aussi petits que 110 cc, comme vous pouvez le voir, ceci est notre roulement à aiguille qui est commun à tous nos vélos et aux liaisons de près. Tomstar est l'une des seules mini entreprises de vélos pour construire notre première boîte à air en cage. Maintenant, j'ai ici avec moi le premier modèle imprimé en 3D issu de notre ligne de production. Et voici comment les vélos vont être équipés pour venir à l'usine. Il culmine un filtre à air approprié qui peut être huilé, qui permet une meilleure circulation de l'air et diminue la quantité de particules qui pénètrent dans votre carburateur. Les mini-vélos traditionnels utilisent de simples filtres à air comme celui-ci qui, dès que vous traversez une flaque d'eau ou tout ce qui a un niveau descend debout ou de particules de poussière, ils sont facilement aspirés directement dans le carburateur provoquant des blocages et le vélo va fonctionner de manière incorrecte. Avec notre nouveau filtre à air, vous n'avez pas à vous soucier du double air et diminue la probabilité de ce qui s'est déjà produit. Alors le nouveau Tomstar Airbox est accompagné de notre système d'évacuation rapide, ce qui signifie que ce n'est littéralement que deux boutons de douille de 10 mm facilement enlevables. Maintenant, le filtre à air est facilement amovible d'un clip. Le filtre à air sort et peut être facilement changé où il est pour vous permettre de continuer la prochaine étape dont nous allons parler. Nos roues entièrement redessinées avec notre nouveau moyeu, jantes et rayons. Les mini-vélos de style traditionnel utilisent un pignon à 4 boulons avec des boulons moins qu'idéaux pour les tenir dedans. Avec Tomstar, nous avons complètement redessiné cela. Nous sommes passés à six boulons appropriés de montage du pignon arrière. Maintenant que le moyeu a été complètement repensé et renforcé, nous avons maintenant deux roulements du côté de l'entraînement. Un roulement sur le frein sur lequel augmente la résistance et empêche le roulement de s'effondrer comme les pit -bike traditionnels. La nouvelle jante en alliage à haute résistance empêche le pliage et le flambage et les rayons de notre acier inoxydable sont moins sujets à l'accrochage et à l'étirement avec nos changements au moyeu arrière. Nous avons maintenant obtenu un essieu arrière creux de 20 mm qui a le même poids que notre essieu arrière de 15 mm, mais fournit une force supplémentaire pour nous accueillir. Nous avons également un ajusteur de chaîne latéral où vous avez besoin que d'une clé pour serrer l'essieu, que nous utilisons des entretoises de roues accompagnées de boulons robustes, pour maintenir cela enfoncé, la suspension avant et arrière sur ces vélos qui ont reçu des améliorations importantes, avec différentes qualités de ressorts et d'huile étant utilisées dans les amortisseurs et en usine. Les fourches avant offrent une meilleure réactivité et une meilleure sensation de pilotage à l'arrière que nous avons dû complètement changer. Nous ajustons maintenant le lien. Il s'agit d'un exemple du magasin, c'est l'amortisseur arrière TSB 110. Le boulon ici est amovible et à deux positions dont vous serez en mesure d'ajuster la hauteur du siège du vélo et changer la position de la voûte sur la liaison du vélo. Ces amortisseurs sont échangeables entre les modèles de la TSX 140 A5 et 190. Ces amortisseurs s'intègrent directement dans le cadre du BST. Souhaitez-vous accueillir un cadre plus grand, une roue arrière plus grande, une roue avant avec différentes fourches à l'avant et essentiellement faire votre BST de taille moyenne dans un TSX ou un TSR de grande taille. Cette gamme de vélos, nous les avons sortis avec notre nouvelle bombe artisanale 2.0. Un système d'échappement qui a un autre renflement de puissance, permet au gaz d'échappement de passer par la rampe d'expansion, de monter puis sortir à une vitesse plus rapide, vous donnant plus de chevaux, et change également le bruit de votre moteur. Il le fait mieux sonner. Nous avons des boulons en acier inoxydable usagés ainsi que l'ensemble. L'échappement qui sont maintenant nickelés, ce qui donne une couleur impressionnante après quelques cycles de chaleur, la bride elle-même est beaucoup plus épaisse et ne se plie pas. Quand vous allez le faire jusqu'à ce qui vous permettra d'obtenir un point correct sur le joint d'échappement, un nouveau métier à tisser étanche est CDI de RevKing. Ces métiers à tisser sont des câblages de calibre beaucoup plus lourds. Qui empêche l'enclenchement du fil en raison du temps et empêche l'eau de ruiner les contacts à l'intérieur des bouchons. Avec les métiers à tisser des mini-vélos traditionnels, vous obtiendrez moins cher que les bouchons étanches, ainsi que des connecteurs très faibles. Vous pouvez les plier avec vos doigts ils se déverrouillent. Lorsqu'ils sont mis à niveau, ces connecteurs que vous ne pouvez pas plier avec vos doigts du tout et les bouchons sont complètement scellés. Et nous avons également sorti ces vélos avec nos nouveaux repose-pieds en acier inoxydable de 56 mm. Y a-t-il des repose-pieds robustes similaires à ce qu'il y a sur vos grandes motocross Ils fournissent une meilleure sensation de pilotage et sont beaucoup plus forts que votre repose-pied de style traditionnel. Construits à partir de matériaux moins importants et qui sont susceptibles de rouiller, et de s'user au fil du temps. Les matériaux robustes sur ces repose-pieds signifient qu'ils ont des durées beaucoup plus longues les ressorts s'adaptent correctement dans le repose-pied et dans le cadre ce qui signifie qu'ils sont moins susceptibles de se séparer par rapport à l'ancien style de repose-pied utilisé sur la plupart des modèles de nombreux vélos. Durant ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur notre système entier de pièces et la refonte de la façon dont vous allez obtenir des pièces pour vos vélos. Maintenant, nous avons un manuel complet, comme vous pouvez le voir, il couvre pas mal de modèles différents. Il est plein de conseils utiles et techniques, pareil pour notre nouveau système de pièces. Vous pouvez voir le vélo ainsi que les pannes de pièces les pièces sont numérotées pour chaque pièce du vélo. Chaque pièce est numérotée individuellement, ce qui rend plus facile de trouver des pièces de rechange et de les acheter. Chacun de nos nouveaux modèles est livré avec un kit de pièces de course absolument complet. Un petit kit d'outils très pratique lorsque vous assemblez votre vélo pour la première fois, des outils pour travailler sur les anneaux et joints pour les reconstruire. Un feu de frein de rechange, un stylo à peinture pour marquer les boulons que vous avez resserrés pour vous assurer qu'ils ne se détachent pas. Des rayons au cas où, des plaquettes de frein de rechange, à partir de pièces de rechange arrière avec un roulement à aiguille supplémentaire, des anneaux de câble d'accélérateur, un outil de réglage des rayons de joint de fourche et même les jets de carburateur.